Eh hey, bonjour Gérard. Eh hey, bonjour, bonjour. Je crois que ça y est, on y est. Hein, bonjour à toutes et bonjour à tous ceux qui nous regardent. On est en direct du Bruges de Strasbourg pour cette Alsace Fun Day. Dès que je vois que ça tourne, je suis émerveillé. Ouais, ouais, c'est j'adore, ça. J'adore toi, t'entends caméra. J'adore les techniciens, j'adore tout ça. Et quel est le souvenir le plus marquant, le plus impactant que tu as eu? Je pense que le souvenir le plus impactant que j'ai eu en Alsace jusqu'à présent, hormis mon élection en tant que Miss Alsace, c'était mon retour de Miss France lorsque je suis allée au marché de Noël en décembre. J'ai travaillé 15 ans dans le tourisme, donc j'ai toujours eu plaisir de partager en fait l'Alsace au travers de mes photos, des idées de sortie, des activités, des recettes, des bonnes adresses aussi, j'aime bien manger aussi. Et voilà un peu tout ce que je partage au travers de mes passions, la photo et la vidéo. J'ai œuvré avec l'Union internationale des Alsaciens justement pour monter le projet qu'on a monté récemment, c'est-à-dire les projections du film. Bien, on va faire un petit rappel de la saison écoulée, parce que la saison s'est terminée dans pas mal de sports. On va faire un petit peu, on va pas donner de médaille, mais on va quand même tirer un gros coup de chapeau. Au moins un qui va parler alsacien aujourd'hui sur ce plateau. Nedemer, enfin, oh, le Sophie Elsa, c'est chaud, mais on essaiera quand même, c'est l'Alsace Fan Day, si on parle pas un peu alsacien. Alors moi, je suis la directrice de l'incubateur Semia. Donc Semia, c'est un incubateur de start-up en Alsace. Et donc start-up, c'est genre jeune entreprise innovante. Et tout Dubaï est avec nous. Ouais, c'est toi le tigre? C'est moi le tigre. On est au pied du Piémont, donc dans une des dernières communes de l'Alsace. Derrière, c'est les Vosges. Et comme on est encore en Alsace, bah aujourd'hui on fait une confiture de myrtille. Allez, salut tout le monde. On va prendre un billet de Prosto, rapido. Oh, ouais, génial. Salut à tous, oh. Salut, salut. On est au laboratoire des chocolatières, où on va réaliser ensemble une cigogne en chocolat noir 70% de A à Z. Merci, joyeux Alsace Fan Day à vous aussi. Joyeux Alsace Fan Day, profitez bien. Merci ouais, beaucoup. Bonne soirée, je t'embrasse. Moi aussi, allez, salut. Bonne soirée, ciao. Bye. Salut, bisous mes Alsaciens. Salut tout le monde. Mon staff, tout le monde là. On a un beau t-shirt, tu vois. Tu vois, magnifique, voilà. Magnifique. Voilà. Can everybody make some noise? Ouais. Laura. Ouais. Tous les liens qui créent avec l'ensemble des Alsaciens du monde, on est quand même, c'est quand même exceptionnel en fait. Alors mon lieu préféré en Alsace, bah, c'est ici, là, il est juste là. Mittelbergheim, c'est le village où j'habite, c'est le village où habitait ma grand-mère. Donc c'est pour moi le plus beau village de l'Alsace tout simplement. Et on y mange bien, on y boit bien, c'est super beau. Il y a le château d'Angelot, il y a le grand cru Zotzenberg, bref, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux ici. Hop là! Mon insulte préférée alsacienne, c'est Kopfurtom. Et le pire, c'est que quand tu es vraiment énervé, tu dis juste Kopfurtom. Mais tu vas pas jusqu'à la fin. Donc voilà, j'aime bien ce petit comportement, c'est pas mal, ça passe bien et puis ça reste mignon. Mes lieux préférés en Alsace, je dirais Riedwihr, Kaisersberg, le plus beau village de France. Croc ou licorne? Alors moi je suis un grand fan de la licorne black. Mon personnage préféré c'est Bartholdi. Gush, comme on l'appelle par ici.
En fin de compte, bah, pourquoi ? Bah, c'est tout simple. Il a imaginé une œuvre d'art qui a été offerte par les Français aux Américains et qui s'appelle la Statue de la Liberté. Tu vois ? Bière pour commencer, bière. Ça c'est sûr. Pour continuer aussi et pour finir, parce que vin blanc ça tape. Mon personnage ou ma personne préférée, je dirais, c'est Pierre Hermé. Vous savez pourquoi ? Parce que déjà, il vient d'Alsace et en plus de ça, il fait du bon manger. Et les personnes qui font du bon manger, pour moi, ce sont des bonnes personnes. Hop là.